Bonsoir à tous c'est ravi de vous retrouver avec des conditions vraiment très agréables, des températures sans excès, hein. comme ici à Plouganou dans le Finistère. Nous sommes au nord de Morlaix, 21 degrés cet après-midi. Du côté de pléneuve val dans les côtes d'Armor, c'était du grand ciel bleu. Il faisait bon déjeuner ici face au Vert de l'Est c'est ce petit rocher. En tout cas, il faisait 23 degrés cet après-midi sur la Grande Plage. 23 degrés, c'est la température que l'on relevait également à Saint-Brévin-les-Pins dans la Loire-Atlantique, avec là aussi du grand ciel bleu. Et puis, il était question également de grand beau temps ici sur la côte d'Emeraude à Dinard, avec un très léger courant de secteur sud. Jusqu à 30 km par heure. Regardez euh, la carte, euh, l'animation, en tout cas satellitaire du jour pour observer cet anticyclone qui est présent ici en fait sur le nord-ouest et qui, non, qui empêche cette perturbation d'avancer. Elle est déviée donc entre l'Irlande et l'Écosse. Ce sera exactement la même chose pour ce mardi avec cet anticyclone bien calé, bien positionné, centré ici entre l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Pour euh, ce qui est du ciel de votre mardi matin, on se réveillera avec beaucoup de soleil, un très léger fin voile d'altitude, des nuages qu'on appelle des cirrus qui seront encore présents l'après-midi, accompagnés d'un très Léger souffle d'air jusqu'à une trentaine de kilomètres-heure va orienter à l'est et qui nous garantira donc un temps sec avec des températures qui vont encore donc grimper au cours de ces prochaines heures. On surveillera donc leur niveau, notamment à partir de mercredi et surtout pour la journée de jeudi. En attendant, profitons de cette relative fraîcheur matinale avec 10 degrés, par exemple ici, entre Châtelain et les Monts d'Arrêt. Vous aurez 12 degrés au lever du jour à Morlaix, 15 à Rennes, jusqu'à 16 même, du côté de Vannes. Et puis dans l'après-midi, des températures qui vont encore augmenter. Et comme le soleil est au plus haut, au-dessus de l'horizon, il faudra se protéger du soleil. Hein. L'index UV sera de 8, avec en tout cas du côté des maximales 27 degrés. Ce sera donc la température que vous relèverez ici. Si vous êtes dans la rade de Brest, vous aurez 28 à chaque 28 également pour Morlaix, qu'on retrouvera à Rennes et à Combourg. 29 degrés même sont attendus du côté de Nantes. Ça devrait encore augmenter pour les jours suivants, avec 28 à 32 degrés pour la journée de mercredi, quelques cumulus de beau temps et beaucoup de soleil. Pour la journée de jeudi et puis celle de vendredi, eh bien la météo évoluera un petit peu. Alors jeudi, ce sera encore très chaud, 31 32 degrés dans de nombreux secteurs de l'Est de la Bretagne. Ça va tourner à l'orage, peut-être entre jeudi soir et vendredi matin. On affinera cette tendance, mais en tout cas, le temps pourrait se dégrader temporairement avec quelques. Averses et euh, parfois même un petit coup de tonnerre. Steven Toile aura l'occasion d'en vous en reparler demain soir. Très bonne soirée à tous.